Hello, hello tout le monde, c'est Lindsay. Ben nous voilà de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode de 7 Days, un épisode de War of the Walker. Je vais vous faire un petit tour de tout ce que j'ai préparé pendant la nuit, de quoi je me suis avancée. Alors, j'ai un petit peu avancé dans la mine en soi où maintenant on a un petit trou dans le fond. Vous voyez, j'ai upgradé tous ces blocs ici, ce qui a fait un peu monter mon niveau de construction. Pas énorme, il y a encore à faire. Alors, je vais avancer par là tout simplement parce que quand j'ai été voir la journée précédente, où est-ce qu'il y avait du gravier dans les alentours, et bien il semblerait qu'il y ait du gravier juste ici. On voit des toutes petites taches grises, et donc on va essayer de miner de ce côté-là. Donc on n'a pas encore grand chose de fait. J'ai voulu lancer une forge de la nuit, mais en fait il me manquait de la clé. Donc la forge en haut, j'ai pas pu la bouger parce que tout simplement j'ai pas posé mon claim block et je vais pas le poser ici maintenant encore. Et donc je vais recréer tout simplement une forge en bas. On en aura deux, mais ça c'est pas vraiment important. Alors, dans les bouquins qu'on a achetés, toujours ma petite auger hein, qu'on peut pas faire parce que malheureusement on n'a pas la workbench, on y travaille. Et dans les bouquins qu'on avait achetés, eh bien, il y a maintenant le weapon smithing que je vais pouvoir prendre. Pourquoi? Parce que si on regarde dans mes skills, maintenant, ça me coûte 12 points pour monter. Donc j'ai mis quelques points maintenant hein, dans mes skills, je vais vous expliquer tout ça. Donc j'en ai mis 2 en weapon smithing et 2 en tool smithing pour arriver jusqu'à 12 points. Maintenant, je ne vais plus dépenser 12 points, ça m'a coûté, c'était 9 points le précédent. Maintenant, je ne vais plus dépenser 12 points, je vais utiliser un de ces magazines. Voilà, je vais utiliser un de ces magazines que j'ai acheté, j'en ai encore 3, malheureusement je ne peux pas les utiliser pour le moment. Pourquoi? Parce que pour moi, augmenter mon skill, eh bien, il faut que je sois à level 40. On n'est que 30, donc on a encore un petit peu de temps à arriver. Point de vue papier de classe, à chaque fois je me trompe, c'est dans celui-ci. Eh bien, on en a encore quelques-uns à trouver. Hein. On n'a encore aucune classe pour le moment. Électricien, on a le A et le C, mais il nous manque le B. Ici, on a, en survivaliste, on a le B et on a, c'est tout, je crois. On a en protection, protection, on a le A et le B, mais on n'a encore rien. Fighter, la seule classe qu'on peut, on l'a pas. Pour la classe... la quête du survivaliste, donc j'ai préparé tout ici, hein, tous les trucs qu'on peut crafter, toujours en attente, ça c'est pour le mining helmet, toujours en attente d'avoir une workbench, ça c'est pour faire notre workbench, toujours en attente d'avoir les constructions pour, et ça ici c'est pour notre classe de survivaliste, malheureusement il manque les duct tape, donc je ne peux pas les faire, je pourrais déjà faire les 25, j'en ai 4, donc je ferai ça pendant la nuit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore avancé sur un truc, j'ai avancé, voilà, et ça c'est encore les points, les derniers points que j'ai pris sans vous. Donc pour commencer à miner en bas, vous vous doutez bien, hein, j'ai pris Miner 69er, j'en ai rajouté, j'en ai pris 3 sur 5, on est mining 30 hein, maintenant, mine de rien, à faire tout à la Stone Axe. La Stone Axe étant quelque chose qui fait monter maintenant, ou même le n'importe laquelle, hein, faisant monter maintenant le mining, on monte vite en mining, maintenant construction par contre c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai monté Miner 69er, et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris également, il y a un perk pour pouvoir crafter les Iron Tools, et donc je l'ai fait et j'ai commencé à faire l'Iron Pickaxe et la Fire Axe. J'ai pas fait la shovel parce que je n'ai pas le fer pour le faire. Pour le moment. Alors, comme je vous l'avais promis l'épisode passé, on va aller un petit peu explorer. J'ai un peu regardé, il y a 2 zones qui me plaisent bien, en fait, pour faire ma base. La zone ici me plaît pas mal, parce qu'on n'est pas loin de l'eau, ça a l'air d'être assez plat. Donc, vous voyez ici, hein, toutes ces zones grises, enfin, un peu pointilleuses, comme ça, sont des zones où il y a un dénivelé. Donc, en fait, ici, on a une grosse zone, avec de la clé et tout ça, assez intéressante. Ou alors, peut-être, ici, on verra bien. Ce que j'ai envie, c'est d'aller voir un petit peu par là, si éventuellement, il n'y a pas une ville. Donc, on avait vu, hein, par ici, on avait vu qu'il y avait la ville là-bas, mais c'est une ville de neige. Donc, j'aimerais bien aller faire un petit tour par là, voir s'il n'y a pas une autre ville avec d'autres bâtiments. Pourquoi pas? Donc, je vous propose, d'y aller. Et je vous propose de commencer notre petite session d'exploration, par un petit bateau qu'il y a là-bas au-dessus. J'espère que lui ne va pas nous dépoper. Alors c'est Bagdad ici aussi, hein. Ça commence à tirer dans tous les sens. On a croisé 3 PNJ, ce n'est pas notre guerre. Donc on va autre part. Il est ici. Alors le problème, hein, voilà, c'est que, il n'est pas complet. Hop, malheureusement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait looter dedans quand même, vous pensez?
Ça me paraît un petit peu compliqué. On peut essayer, hein. On va essayer de looter. Alors, pour les gens qui se poseraient la question, en fait, je n'ai pas de webcam, tout simplement. Enfin, ceux qui me suivent régulièrement, ben, vous le savez, ça fait 2 jours également que je ne live pas. J'ai ma petite bibiche, ma petite puce, Leïla, qui est malade pour le moment. J'ai dû aller en urgence au vétérinaire, elle a beaucoup de fièvre et tout ça. Et donc, en fait, j'ai pas eu le cœur d'installer le fond vert et autres, en fait, comme elle dort énormément. On pourra pas faire grand chose hein, du bateau. Alors, on va devoir le looter au bout de frame. Hein. Bon, écoutez, pourquoi pas, ça peut être une aventure aussi. Comme elle dort énormément, en fait... ça, c'est un dire wolf, on va pas aller par là. Comme elle dort énormément, eh bien, j'ai mis, pour pouvoir faire la vidéo à côté de moi, les... c'est quoi, cette case-là? J'ai mis un divan à côté de moi, alors en vidéo, ben, c'est pas un souci, parce que je peux encore arrêter si jamais ben, vous voyez qu'il y a une coupure, ben, vous vous dites qu'elle s'est juste... Pourquoi je peux pas le poser, là, le woodframe? Elle s'est juste réveillée, et en vidéo, c'est encore facile de se dire, bon, ben, je fais une pause, et puis... Alors, voilà pourquoi je ne veux pas looter, je ne veux pas, en général, faire mes bases sur les bateaux. Ben, enjoy, hein, j'ai envie de dire. Alors, donc voilà, donc en fait, si jamais elle vient à se réveiller, je peux mettre pause et je peux m'occuper d'elle et autres. C'est plus difficile de faire un live de 4 heures et pendant 4 heures, ben, qu'elle ne fasse rien et tout ça, ça c'est pas possible. Donc tout simplement, pas de facecam aujourd'hui parce que, ben voilà, elle est à côté de moi dans un petit divan. J'ai arrangé tout ça gentiment et elle est toute sage. Elle a encore un peu de fièvre, elle est encore sous un cocktail d'anti, hein, comme je m'amuse à dire. Elle a des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Et oh, regardez-moi ça là, oh la chemistry station qui part en fumée, tous les loots qui partent en fumée. Par contre, on a toujours les trucs qui restent là. Très bien, les lumières aussi. Oh la chemistry station qui reste... Ah non. Non. Bon ben voilà, ça c'est fait. Et là, ben, vous vous dites, oh j'aurais voulu t'avoir en facecam pour voir la tête que t'as fait. Ben voilà, vous l'imaginez bien maintenant, hein, vous me connaissez. Donc voilà, mais j'avais trop envie de filmer cette série, et donc j'en profite qu'elle dort, et pour venir voir un peu ce qu'il en est, vous savez, ou toi, miam miam. En plus, on a tué des animaux, viens ici. Voilà, viens ici. Oh, on n'a pas de machette en plus pour... Allez, viens ici. Comment c'est possible de la rater autant? Combien de flèches il te faut en plus? T'es tout mignon, toi, comment t'es mort? Ben oui, évidemment, on n'a absolument rien pour te casser. Ah, bon, ben, la pickaxe, allez. Premier couteau, on arrête, hein. Premier os, on arrête, hein. Vous connaissez un peu. Non, pas la pickaxe, au couteau. À la stonaxe. Tu as rien donné, t'es sérieux? Une viande. Et avoir le nonos à la fin. Ah, même pas. Tiens, ok, très bien. Bon, alors, petite exploration. On va aller voir de l'autre côté de ces collines. Eux, ils n'ont pas envie de m'agresser. Non, ils n'ont pas envie. Beaucoup de dessus, ils n'ont pas envie. On n'a pas envie d'aller les chercher. Ce n'est pas notre combat. Ça ne nous sert absolument à rien de nettoyer cette zone. Ça ne sert absolument à rien de nettoyer cette zone pour le moment. Au revoir, monsieur. Je m'en vais. Aïe, 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 aïe. N'oublie pas. Voilà. Alors, par où est-ce qu'on va aller, du coup? J'avais mis un petit point rouge. On va aller par là. On a peut-être des petites caisses en chemin, on a peut-être des petites choses intéressantes, des petits bâtiments, des petits animaux à tuer. Non? Alors, je me demande c'est quoi ça? Parce que je suis d'accord qu'il y en a, c'est du fer. Et ça, ça va être quoi? Et ça, c'est la même chose. Zinc fragment et copper fragment. Pourquoi pas? Au moins, on le saura. Alors, ma petite zone rouge, elle était par là. À vrai dire, j'ai peut-être fait une bêtise, parce qu'il y a une route là. Si on essayait de retrouver... Oh, si on va vers le point rouge, on va retomber sur la route à un moment donné. On va faire ça. J'aimerais bien au minimum... Ah ben là, voilà. La route est juste là. Et il y a en plus des spikes. Juste là. Donc on va essayer de suivre la route. La route va nous mener vers une autre ville. Donc ça, on me demande souvent, oui, comment tu fais pour tomber sur des villes aussi immenses? Bah, tout simplement, vous suivez les routes, et les routes, grosses routes comme ça en béton, vont forcément d'une ville à l'autre. Donc si à un moment vous la suivez, à un moment vous allez forcément tomber sur quelque chose. Parfois, il faut un petit peu plus de temps, hein, mais voilà.
Voilà. Pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Ah, ben voilà, quelque chose d'intéressant. Oui, allons-y. Deux pour le prix d'un. Allez, viens. Viens, viens, viens. À la maison, il y a des Wookie. Ils chantent. Mais non, mais... Oh, c'est vrai. C'est idiot. J'ai pas de couteau. Bon, c'est pas grave. Il faut qu'on les tue, de toute façon. Ah. La Dire Wolf, c'est peut-être pas une bonne idée, quand même. Hein, Dire Wolf, on va peut-être pas le faire. Y'a un zombie, là? Oui, y'a un zombie, là. Viens, le zombie. Viens, 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 le zombie. Viens. J'ai un cadeau pour toi. Tu vas avoir l'honneur de me donner un os. Viens ici. Voilà. En plus, on les one-shot avec ce truc-là. Mais c'est trop mignon. Mais c'est trop bien. Allez, vas-y, Gorblok, s'il te plaît, que je puisse récupérer un os. Allez. Alors, il me faudra aussi de l'eau. On a un problème d'eau à la base. Et je n'ai que 13 jars. Je comprends pas comment ça se fait. D'habitude, on en a toujours 150 000 des jars. C'est toujours le truc qu'on a trop. J'ai pas l'impression que j'en ai jeté. En me disant, ouais, ça c'est pas important. Et ça y est. En me disant, ouais, ça c'est pas important, je les prends pas. J'ai plutôt l'impression que je suis toujours du style à garder tout, justement. Et on en a que 13 de vide. Bon, on en a un petit peu avec du thé et ce genre de choses, hein, donc c'est pas une question de vie ou de mort, mais quand même. Mais quand même. Alors, on va prendre la moto. Hop. Oui, c'est pas que je suis fainéante, c'est juste que ça vous fait gagner du temps, hein, voilà. Bon, ça rapporte un petit peu plus de trucs. Alors là-bas, attendez. Il y a encore un animal, là, non? Oui, un petit sanglier, là. Il sanglier, là, viens près de moi. Comme ça, toi, au moins, tu me fais pas me rapprocher trop près du Dire Wolf. On n'aura plus de problème de nourriture, hein. Par contre, je sais pas ce qui se passe. Il y a un rassemblement de... Un rassemblement de zombies ou une... Ah, il y a un PNJ. Ouh! Toi, là. Attendez, pensez qu'on peut l'avoir. Ah, shotgun, ça va être trop loin. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va y aller tout doucement. Tout doucement. Oui! Vas-y, bleed, bleed to death, bleed to death. Non, bleed to death. Oh, mais j'ai toujours ma mini-bike qui est à 3 km en plus. Mince. Alors, je sais qu'il y a un bouton... Et ça, je suis incapable de dire lequel. Je sais qu'il y a un bouton à partir du moment où vous êtes là et que vous chargez votre arc. Il y a un bouton normalement sur lequel tu peux appuyer. D'habitude, j'essaye d'avoir le réflexe d'appuyer sur un autre, vous voyez, sur un autre lien raccourci, comme ça, ça change. Et puis, ça fait pou pou pou, vous avez rien vu. Mais je suis incapable de savoir quel bouton c'est. Il faudrait que je me renseigne un jour ou l'autre. Alors, ma mini-bike. Vous voyez pourquoi, en fait, je prends la mini-bike au fur et à mesure? Parce que là, ça fait 3 km en arrière. Alors, j'essaierai bien de tuer le Dire Wolf. Pourrais essayer, éventuellement. Avec le pompe qu'on a, vous croyez pas qu'on est tranquille? Je ne sais pas. On pourrait essayer. Oh, mais cette partie, elle m'intéresse. Ah, j'adore ce mode. Franchement, je trouve ce mode super intéressant. On a vraiment... Bon, allez, on y va, on va essayer. Oh, wow, 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 c'est pas au moment de recharger. Pourquoi plus vite que ça, un Dire Wolf, normalement? Par contre, let's get meat. Allons-y. Bon, lequel est le plus près de nous? Non. Non. Je dois pas tuer des nurses, je dois tuer des animaux. On ne peut pas dire que tu sois un animal. Et toi, on en parle? C'est le Dire Wolf qui lui a mangé les deux bras? T'es sérieux? Oh, trop fort. J'aime bien, en fait, ce genre de choses, en fait. Que les animaux interagissent avec les zombies aussi. Parce qu'au final... Non, vas-y, t'as la vie sauf, toi. Parce qu'au final, dans la vraie vie, si jamais il y avait vraiment une invasion de zombies, ben, les animaux, ils auraient pas peur des zombies et ils feraient la... Oh, il y avait pas un PNJ là-bas au-dessus? Attendez. Il y avait un PNJ qui tirait là-bas. Ici, ouais, pour retrouver son truc là-dedans, ça va être bizarre, ça va être difficile. Est-ce que vous voyez un sac bleu? À tous les coups, vous allez le voir. On dit, si, il était là! À 14:02! Non, je sais pas, un petit peu plus. 17:03! Attendez, c'était dans les environs ici? Ah, ben le voilà!
Ah, je vous l'avais dit que vous me verriez. Moi aussi. Ouh, ça valait la peine par contre. Est-ce que... Oui, il nous en faut. Tout simplement parce qu'il nous faut des os. Il nous faut des os parce qu'il nous faut du duct tape. Quel est le rapport? Vous connaissez le rapport. Pour ceux qui ne le connaissent pas, avec le duct tape, on fait de la glu. Avec la glu, on fait... Non, avec les os, on fait de la glu. Hop. Et avec la glu, on fait... Oh pardon, excuse-moi. Oh pardon, je me suis trompée, je t'ai pris pour un zombie. Oh, je suis désolée. Ouh, je suis désolée. Franchement. Allez, vas-y, encore bloc. C'est la loi du plus fort. Ouh. En même temps, t'aurais fait pareil. Si j'avais été à ta place, t'aurais fait pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bâtiment ici dedans? Ça s'appelle une voiture, ça ne s'appelle pas un bâtiment. Alors, nous avons un club de boxe. Ça, on le connaît, hein. On va pas le refaire. Zoé Salon, ça c'est nickel pour les electrical parts. Nous avons... Ouh, ces magasins-là, ils sont sympas. Celui-là en face, les Dwalls. Ce sont des bâtiments qui ont été faits par le développeur spécialement pour ce mode-ci. Donc ça, ils sont sympas à faire. On n'est pas sur un épisode loot, hein. Donc on va plutôt... Bon, on se lootera un bâtiment quand même pour se faire plaisir. Un nouveau bâtiment en tout cas. Mais on est plutôt là pour faire vraiment un petit tour et décider d'où on va faire notre... Yeah, ça j'aime pas par contre. C'est un sympa ça comme bâtiment. C'est quoi comme bloc? Ouais, du 3000 hein, quand même. Sympa. Voilà. Là déjà rien que le fait qu'on passe avec cette lumière un peu... Ouh, du maïs. Oh, mais le maïs, on va le ramasser. Attendez, maïs, on ramasse? On a une quête comme ça. Ah, mince. Chez vos tours, ça compte pour les animaux, vous croyez? Ah, ben, on va pas le savoir tout de suite. Attendez. Oui, je sais. Voilà. Ouais, je prends pas de risque, hein. On a des balles, on peut en racheter. On y va, hein. Ça, c'est quoi, ce truc-là? Ça, à tous les coups, c'est un truc dans le sol. Oh, ça! On va looter. Meurs. En fait, t'en faudrait peut-être deux, non? Toi, un. Au revoir. Toi. Ouh, toi, t'en fous de bien. Peut-être trois, tiens. Ouh là là, quatre. En même temps, je crois que là, je l'avais pas eu sur la tête. Donc là, ça va. Toi. Viens. Alors, ce que j'aimerais faire, on va prendre notre quête de tuer des nanimaux. Tuer des nanimaux. On en a deux, normalement. Donc, on va pouvoir s'en sortir, hein. Voilà. Est-ce que tuer ce chien, ça compte? Si ça ne compte pas, on rage quitte. Ouais, c'est comme ça. Alors, toi, là, l'animal, là. Si on essayait au bloc. Tiens, si on essayait avec ça. En fait, j'aurais très bien pu lui mettre une flèche, d'abord, hein, mais c'est pas grave. Ah, non, tu commences pas à faire des trucs en rond comme ça, hein. Ça a pas compté? Si? Ça a pas compté? A pas fait attention. Je crois qu'on était à 13. Méchant. Alors, ce bâtiment-là, on connaît. Ah, lui, il est loin. Alors, ce que je voudrais prendre, c'est profiter de ça pour récupérer du maïs. Parce qu'on a une quête hein, qui nous demande du maïs. Ouais, comme ça, en attendant, lui, il va venir nous chercher. Non, tu vas pas venir nous chercher? Ce qu'on pourrait faire, c'est ramasser des... Ouais, voilà, il nous a entendu, enfin. Ouais, non, ah, quoique, peut-être pas. On pourrait prendre des graines, surtout. Aussi, comme ça, on peut les faire pousser. Voilà, on va pas... Voilà. Hop. T'es sérieux? Aucun? Ce qu'il est. Tu m'as pas vu encore, méchant, hein, animal, là. Ah, voilà, j'allais dire. Voilà. Et ça compte pas. Il est bien marqué qu'il est ni animal. Et ni animal. C'est un animal, je suis désolée. Mort et tout ce que tu veux, mais c'est un animal. Non, dis donc. Publicité mensongère, moi je dis remboursé. Allez, on va en prendre... c'est 25 qu'il me faut, je crois, de cornes. Ouais, 12. Allez, on va tuer lui, on en prend encore 12. Enfin, 13, du coup, on va en avoir 25. Hop là, elle vient ici. Ouh, ça
c'est génial, la fighter, les gens. Oh, ça c'est génial. Comme quoi, tuer les zombies va être super important hein, sur ce mode. Comme quoi, il faudra certainement que je fasse aussi le bâtiment avec les différents bouquins. Ça, si on en trouve un. Et je crois qu'il y en a même un chez nous. Hein. Il va falloir qu'on le fasse. Je sais qu'on l'a déjà fait sur plusieurs modes, mais vous comprenez bien, autant sur Ravenhearth que sur celui-ci, que ce sont des choses qui sont nécessaires. Alors cette maison-là, on vient de la faire sur Ravenhearth. On la fera également, on va attendre un petit peu, c'est pas très très urgent. Il y a des choses sympas dedans. Chien, mais tiens, on va essayer, tiens, le chien là. Toi là. Viens. Ici. J'ai cru que c'était ennemi. Toi là. On va vérifier. Ouais, ça fonctionne pas, hein. C'est dingue quand même, c'est un animal, hein, c'est un chien. Ils le disent eux-mêmes, chien. C'est pas grave. Et ça, c'est quoi comme bâtiment? Ça, je le connais pas. Bon, bah écoutez, mon dévolu, ce sera acheté sur la crypte qui est juste là. Ah non, 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 je pense que je... Qu'est-ce que je pense que c'est? Y'a pas un serpent là-dedans? Si, 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 il y a un serpent. Ben, on va faire le bâtiment là, alors, hein. Puis quoi, il y a des serpents dans ce biome-là? De toute façon, je déteste les serpents et je déteste ce biome-là. Donc, voilà peut-être pourquoi je sais pas qu'il y a des serpents dans ce biome-ci. C'est une raison, hein. Alors. Y a-t-il du monde? Coucou, chérie, je suis rentrée. C'est quoi? On va juste fermer la porte. Pour dire que le serpent ne lui prenne pas l'idée de passer au-dessus et de venir nous chercher. Je peux rien goûter. Par contre, si elle se psss, qui se refait entendre, je suis désolée, mais je m'en vais. Hein. Oh, je suis désolée. On appellera Evil, qu'elle vienne le nettoyer, et puis après... Et puis on s'en ira. On reviendra. Alors, on va faire tout le premier étage. Ok. Savoir c'est quoi comme bâtiment ça. Alors là par contre on va tout fouiller. Oh j'avais des lockpicks à la maison, je les ai pas pris. Ouais c'est vrai que je pensais pas forcément spécialement looter une maison. Ah il faudra qu'on fasse ça. On retournera à notre bâtiment. Pourquoi tu prends du laser, on en a pas spécialement besoin. On retournera à notre bâtiment canadien. Vous savez celui qu'on a looté, qu'on a été dans tous les épisodes quasi. Juste pour faire les safes avec les lockpicks pour les essayer. Donc ça, on vient de là. Toi, t'es unlock, pas besoin de casser. Mince, j'ai raté. Vous entendez aussi un zombie, vous? Ah, vous êtes sérieuses? Aucune des deux est un faux zombie? Vous êtes toutes les deux des vrais? Des vrais de chez vrais? Elle vient ici. Bien. Voilà. Toi, casse pas tout, s'il te plaît, là. Oui, toi, casse pas tout. Parce que ça se fait pas de casser tout chez les gens. Alors, peut-être que t'es chez toi, hein, mais ça ne se fait pas de casser tout. Une bière, pourquoi pas? Bon, y a déjà plus de bière dans ce bâtiment-ci que dans la brasserie dans laquelle j'habite. Donc, c'est déjà bien. Voilà, on ramasse tout ça. Non, le zombie, il se calme, le zombie. Alors, le zombie, on va le... Non, on va attendre qu'elle passe en gore bloc. Sa copine, là, c'est fait. On va la fouiller. Ah, ok, très bien. Attends, madame, 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 calmez-vous. On dit bonjour d'abord. Bonjour, madame. Voilà. D'accord. Pour règle de politesse... Basique, on dit bonjour d'abord. Alors, est-ce que je vais tomber dehors si je casse ça? Oh, mais c'est tout sympa en fait, ce petit patio là. Ok, non. Il n'y en a aucun qui a décidé d'être un faux zombie. Hein. Voilà. Toi, tu es mort. Hop, toi. Normalement, en un coup, si on arrive à le toucher, il est mort aussi. Allez, viens. Casse pas tout, casse pas tout. Mais qu'est-ce que vous avez à tout casser? Bon, si tu pouvais lui toucher la tête directement, c'est plus facile et ça va mieux.
pour les tuer en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Oh, le plongeoir! Oh, c'est super sympa, dites! Oh, super sympa! Alors, est-ce que il y a quelque chose dans l'eau? Et c'est là qu'en fait, dans l'eau, il n'y a pas de truc comme ça et tu peux pas en sortir. Génial! Eh ben, en fait, tu pourras pas en sortir, ma grande-fille. Si, ça va. Hop! Il y a quelque chose d'autre? Non. Par contre, ça, ça donne où? Ça donne dans la grande salle? Oui, ça redonne dans la grande salle. Je voulais en être certaine, je m'en doutais bien. Mais au moins, comme ça, on le sait. Je prends pour les os, hein, les gens. On n'en a jamais de trop, des os, hein, sur ces jeux. Non. Alors là, il y a un zombie d'or, hein, mais on le laisse avec ses problèmes gastriques. Hein, on va pas aller s'en charger. Ça, ça va faire sortir de la pièce là-bas. Et ici, nous sommes dans la cuisine. Ok, le chef est en congé, apparemment. Il y a des recommandations à faire, apparemment. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Est-ce qu'il est? En haut? Ouais, en haut, ça, on a le temps. Oh, là dehors. Oh, sympa, regardez. Oh, la petite terrasse toute belle, toute mimi. Oh, mais c'est sympa, cet appart-là. Mais c'est qu'il est joli. Et casse pas tout le close, toi. Casse pas ma terrasse. Oh, regardez le barbecue. Oh, super sympa, le barbecue. Bon, alors, toi. Hop. Ici. Oh, écoutez, vous savez quoi? On va tout prendre, hein. Mince, ils sont pas encore... pas encore poussés, mince. Oui, tu peux prendre le sac. Oui, en effet, c'est une bonne initiative, hein. Même s'il n'y a pas grand-chose dedans, tu peux le prendre. C'est une bonne initiative. On va les prendre ici. Je rappelle qu'on a la quête du 25 de chaque plante à faire. Même si les goldenrod, je crois qu'on les a. 25 aloe vera, on les a achetés au final. Hein, donc on n'a plus besoin. Donc si, on aura besoin. Ce sera pour nous, les bandages. Donc c'est fait. Ça fait pas du mal de les prendre. C'était sympa comme petite terrasse. Et ça, on avait looté. J'ai pas pris toutes les chaises. Hein, on va en avoir plus qu'assez. Hop. Je crois qu'il est en haut. Le temps qu'il trouve son chemin pour nous trouver. On va looter la cuisine. Ah, quoique. Il a peut-être d'être proche. Vous savez quoi? On va fermer la porte. Comme ça, il fera du bruit sur la porte et on l'entendra. Et on peut looter ici tranquillement. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va toucher? Une petite wrench. Ce serait sympa. Elle demande des wrench à tous les épisodes. Oui, mais les wrench, c'est de la vie, les gens. Les wrench, c'est de la vie. Hop. Alors, j'étais en train de me demander, est-ce que je m'installe à côté du bâtiment, du fameux paradis Lilins, ou pas? Et en fait, je me dis que je vais m'installer plutôt à moitié chemin. À moitié chemin entre le paradis et à moitié chemin entre la ville. Pourquoi? Parce que, autant, c'est vrai, ce bâtiment-là, on va y aller souvent. Enfin, du moins, moi, je vais peut-être y aller sans vous et juste faire... Ouh, la belle wrench! Juste faire peut-être des achats avec vous. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la ville, parce qu'on va y passer longtemps à looter ce genre de choses. Et donc, je pense que se mettre pas trop loin de la ville reste quand même une chose intéressante à faire. Oh, ça m'ennuie, en fait, qu'il casse tout en haut. Ah, mais il est là, en fait. Attends, je vais t'ouvrir ton problème. Ah, mince, elle est fermée. Voilà. Ouh, ça, c'est une personne pas très contente du service, ça va vraiment, hein. What? Oh, il y a encore un étage. Ici, on n'a pas looté ça. Et donc, comme on lootera plus en ville, je pense que c'est intéressant de rester plutôt dans les alentours d'une ville et d'aller dans ce bâtiment-là une fois par jour ou quand on doit y aller. Ce sera plus... C'est plus logique, je pense. Même si j'adore et que... À la limite, j'aurais fait ma base à l'intérieur, moi, si j'avais pu. Mais on peut pas. On ne peut pas. Alors, eh bien, écoute, merci de nous avoir montré le chemin. Écoute, c'est super sympa, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici dedans? Bon, je regarde, mais le retour n'est pas trop, trop sombre. Ça devrait aller. Encore une cuisine? Mais c'est quoi? C'est une auberge? C'est un hôtel? C'est deux cuisines comme ça? Alors, t'as peut-être la cuisine du rez-de-chaussée, et puis t'as la cuisine de ceux que t'enfermes dans... Ah, là-bas, j'ai pas fait celui du coin, là-bas. Oh, c'est pas grave.
T'as la cuisine des petits mignons, tu sais, des mignons que t'enfermes dans la cave et tout. Mais tu leur mets quand même une petite cuisine. Parce que leur faire penser qu'ils sont libres et qu'ils sont bien, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire qu'ils travaillent plus. Les esclaves, les mignons, il faut gentiment les traiter. Sinon, ils font une rébellion et ils sont plus mignons. Hein. Et après, il faut les tuer, il faut se débarrasser des corps, tout ça, vous savez. C'était un peu ennuyant. Et je vais me faire bannir. Enfin, ma vidéo va être... On va avoir un problème de médiatisation par rapport à ça. Excusez-moi tout de suite, ce n'est pas vrai, hein. Je fais pas ça avec mes viewers. Hein. Non. Bref, vive YouTube. Donc, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant là-dedans? Des bouteilles d'eau, ce serait sympa, parce qu'il faut... Ouh, ça, c'est sympa aussi, tiens. Un bon fichetou. J'espère que le chef l'a cuisiné il n'y a pas longtemps, parce que du poisson pas frais... Comment dire que mon personnage va être malade? Apparemment, elle a plus un stamina en wellness, donc ça, c'est nickel. Hop. Ici, dedans. Très bien. Poubelle? En même temps, ce que tu trouves dans les poubelles, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le prendre? Ben, de temps en temps, oui. Alors là, c'est locked. On va juste regarder où est-ce qu'on tombe. Grande salle, apparemment. Ça, c'est super. Ça, c'est certainement le bâtiment dans lequel il y a des trucs cachés. À voir si on en trouve, mais... Ok, alors j'avais pris les torches. J'avais pris des torches exprès. Ouh, ça, ces boîtes-là, on les adore. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va faire ça. Ces boîtes-là, on les adore. Ces boîtes-ci... Ah, quoique, est-ce que c'est celle-là? Ça va, même si on l'a, en fait. Bon, une petite chasse au trésor, ça pourrait être sympa. Je crois que ces boîtes-là, on les adore. Alors, toi, on peut le read. Le reste, on peut prendre. Toi, on peut read. Je pourrais pas le... Voilà. Accepte. On récupère ce qu'il y a dans le sac-là. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on peut faire, là? On peut pas faire un peu de place? On peut scrap deux, trois petites choses, peut-être? On peut scrap les chaises. Bon, il y en avait 25, c'est pas bien, bien grave. On va read ce truc-là. Blueberry seed, on en a une. C'est vraiment nécessaire. Et alors, j'avais vu des vitres. Où est-ce qu'elles sont? Là. Une vitre, c'est pas bien grave, hein. On va 5 minutes dans le désert. Non, pas 30 secondes dans le désert, on a plus que ça. Oh, mon Dieu. Alors, ça, on n'a pas besoin. Steel pickaxe. Bon, ça, on n'a pas besoin. Ah, on peut pas scrap. Mince. Est-ce qu'on a vraiment besoin? On peut les laisser là, hein. C'est pas grave. Ma mini-bike est en haut et ma mini-bike est vide. Donc, éventuellement, on va pouvoir faire un petit aller-retour. Bon alors attendez, est-ce qu'il y a autre chose qu'on a besoin? Du lead, on va scrap. C'est bête en fait, hein, de faire ce que je fais. C'est bête, mais c'est pas grave. Alors on y va, on va vite aller se vider. Nous revoilà. Alors le serpent a pas décidé de partir, mais il a pas décidé de bouger non plus. Ah, on est dans un sauna. Oh, génial, trop bien fait. Et là, c'est des trucs qui sautent, non? Cooking pot. Ah, on peut ouvrir, là, trop fort. Ouais, on va lutter avec ça, avec l'eau. On n'a pas l'air de pouvoir aller, non? Non? Ok, très bien. Cooking pot. Oh, on va les ramasser, mais on va les scraper tout de suite. Mais au moins, comme ça, on voit ce que c'est. Oh! Et ici, c'est censé être quoi? Le bain de boue, c'est ça? Ou c'est où tu mets les gens passage? Dites-moi que c'est un sifflement de zombie, hein, ça. C'est un sifflement de zombie, c'est pas un sifflement de... Non, hein. Non, c'est pas un sifflement de... Non. Alors, préparez vos oreilles, hein, si jamais il y en a un, je vous ai prévenu, hein. Si, ça c'est un sifflement de... Oui. Ah, ça donne dehors. Non, on va pas par là. Oui, il est pas loin, on sait. Ah, j'espère qu'il sera pas près de ma mini-bike. Ah. On avancera les yeux fermés, hein. Tant pis, hein. Toilette. Ah oui, à mon avis, ça peut être... Ouais, ça peut être quoi, une douche, ça? C'est... Ah oui, c'est censé être la douche. Ok, très bien. Et toi? Personne dedans. Le bras qu'il y a ici dedans, même si on n'en aura pas spécialement besoin vu
vu le bras, ce qu'on peut trouver au magasin de notre petit... Alors là, ce qu'on fait tout de suite, ça aurait été mais une explosion, mais un truc de malade s'ils avaient mis une mine au-dessus du baril. Ça aurait été juste mais extraordinaire. Vous ne voulez pas être dans la pièce à ce moment-là. Alors, chamoué. Ah, ces boîtes-là, normalement, ce sont des bonnes boîtes. Hein. Ce sont des boîtes dans lesquelles il y a des trucs. Même si, là, elles ont décidé d'être raisonnables. Chamoué. À boire, s'il vous plaît. Je crois qu'on a eu... D'habitude, j'ai l'impression que sur tous mes let's play, j'ai 150 bouteilles quand je les cuisine. Et là, parce que j'ai un problème d'eau... Eh ben, pas moyen. Bon, c'est pas grave, je pourrais me les faire avec du sable dans la forge, mais... quand même, quoi. Ce qu'il faudrait qu'on fasse aussi, c'est passer un... On a des barils d'eau... Ah, voilà. Mais une bouteille, quoi, c'est pas énorme. On a des barils qu'on pourrait aller remplir et installer pour remplir nos jars. Ouais, enfin, on en avait looté plusieurs. Et c'est vrai que je les ai toujours pas installés, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Ça nous aiderait un petit peu. Comme ça, je peux en boire en full et me remplir tout de suite directement du toit de ma base. Ça serait pas mal. Alors, on a miam miam et les petites tartines de confiture me ramènent, mais super bien. 60%, c'est pas mal hein, déjà. 60%, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah écoutez, on va vite aller voir un peu ce qui se passe à l'étage. Vite voir ce qui se passe ici. Il y a plusieurs étages encore. Il y a plusieurs étages. Ah oui, et c'est quoi ici? Oui, il y a encore un... Le toit? Ouais, apparemment. Je propose qu'on finisse par looter l'étage. Pourquoi je peux pas? Ah! Oh, c'est une blague! Ah, oh, c'est une blague. Je peux pas à cause du... Ah, bon, on va casser celui-là. Je peux pas à cause du plafond. Hop. Bon, on va casser l'échelle, hein. S'il y a des zombies, ils seront réveillés, comme ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on finisse de looter ici, du moins, le petit grenier. Ouais, il y a un petit peu de monde. Coucou les mondes. Voilà. Meurs. Non. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok, c'est l'image, c'est le tu en bas. Meurs, on a dit. Et toi aussi, tu meurs, on a dit. Alors, ça peut monter par ici. Faisons un rien, attention. On va les looter, eux aussi, parce que, bah, pourquoi pas, hein. Voilà, à manger. Toi. Ils vont nous ouvrir les portes, hein, des appartements, des... Je sais pas ce que c'est, en fait, des chambres. Si c'est un spa, c'est possible que ce soit des chambres. Ça m'avait tout l'air d'être un spa, hôtel, peut-être. Oui, hôtel, à mon avis, avec la salle de réunion. Ouais, c'est possible. C'est possible. Par contre, j'ai pas envie qu'ils cassent tout ce qu'il y a dans les chambres en bas, donc on va pas traîner. Hop, allons-y. Ici, dedans. Là-dedans, il n'y a jamais grand chose, hein. C'est pas énorme, hein. On préfère les autres, celles où il y a les petits logos dessus. Et pourquoi est-ce que là, il y a des spikes? Pourquoi est-ce que là, il y a des spikes? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le toit? On est dans le toit, basiquement. Normalement, il devrait rien avoir d'autre. Mais on sait qu'un toit en cache pas parfois un autre. Donc, on ne sait jamais. On va aller voir. Bah, je propose qu'on aille voir ça dans le prochain épisode. Puisque on a déjà pas mal looté. C'était un épisode de découverte. Bon, à mon avis, là, on est pas mal. Parce qu'on va pouvoir, grâce à ça, se faire une quête, au moins. La quête avec les bandages et les... On se calme. On se calme. La quête avec les bandages et les splints. Ouh, ça c'est joli ça aussi. Médecine et handguns. Ouais, sympa tout ça. Ah, il y a peut-être rien en fait. C'est peut-être d'or. Ouais, il y a peut-être rien. Ouais, bah écoutez, voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans le prochain épisode pour finir de looter ceci. Il va falloir aussi qu'on commence à penser tout doucement et eh bien à notre petite horde qui va arriver. Jour 7, on sait qu'elle est pas terrible, mais elle est tout le temps. Il y a toujours du monde, donc ça peut être quelque chose d'un peu challenging. On verra ça. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.